Bonjour tout le monde. Une minute et on commence. Ok, on va commencer avec l'appel. Mademoiselle Daniela. Pas Mademoiselle Daniela. Hannah. Présenté. Merci beaucoup, mademoiselle. Monsieur Kevin. Non, on n'a pas Monsieur Kevin. Daniel Berrios. Aquí estoy, madame. Salut. C'était qui? Qui on peut parler? Daniel. Excellent, Monsieur Daniel. Monsieur Angel. Mademoiselle Fer Castillo. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Mariana Cervantes. Voilà. Oh, mademoiselle Sarah. Ok. Merci beaucoup. Uriel Colin. Daphne Cruz. Presente. Merci, mademoiselle. Edna Cruz. Merci beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Excellente. Michelle de la Torre. Presente, please. Merci beaucoup, mademoiselle. Alondra Díaz. Pamela Domínguez. Yo presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Jair García. Pas monsieur Jair. Ok. Rafael Ginés. Lorena Gómez. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle, merci. Nadia Gutiérrez. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Brandon Ibarra. Buen día, presente. Bonjour, monsieur, merci. Carlos Jasso. Salut, monsieur Jair. Salut, monsieur Raphaël, excellente. Carlos Jasso. Marlene Lamont.
Presente, mis buenos días. Bonjour, mademoiselle, merci. Gustavo Martínez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, merci. Fernanda Mayo. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Excellente. Merci beaucoup, monsieur. Excellente. Ángel Ulises. No, 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 para mí sí, Ángel Ulises. Ah, hola. Esli. Excelente. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Mariana Monroy. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Merci. Alondra Morelos. Bonjour. Bueno. Mónica Mollado. Excelente. Bonjour, merci beaucoup. Paula Muñiz. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Excelente. Amairani Muñoz. Bonjour, merci. Eliel Pérez. Hola, Eliel. Ah, hola, excelente. Bonjour, merci. Vanessa Ramírez. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Brenda Rangel. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Yesenia Ríos. Miguel Rodríguez. Presente. Merci, monsieur. Sara Tang. Salut. Ok, merci, mademoiselle Sara. Salut, mademoiselle Alondra. Vanessa Torres. Merci beaucoup, mademoiselle. Excellent. Tania Torres. Presente. Merci beaucoup, mademoiselle. Israel Vega. Presente. Merci beaucoup, monsieur. Lisette Vega. Presente. Merci beaucoup. Salut, monsieur Uriel. Excellent. Ok. On a pas mademoiselle Daniela. On n'a pas monsieur Kevin. Monsieur Ángel Carmona. Et mademoiselle Mariana, qui a des problèmes. Mariana Cervantes. Ok. Donnez-moi un petit moment, s'il vous plaît. Ok, je suis de retour. Voilà, comme ça. Ok. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fin de notre semaine numéro 12. Non, 12. C'est la séance 24. Aujourd'hui, c'est jeudi 7 avril 2022. Notre séance est de 11h à 13h. Et l'objectif d'aujourd'hui, on va voir la fréquence, très très facile, la fréquence, les tâches ménagères, un petit peu de vocabulaire, et aussi les sons U et OU, normal. Okay. Donc, pour commencer notre séance, on va voir ici, ah, salut mademoiselle, excellente. Merci beaucoup. On va voir des exercices de la classe dernière. Okay. Rappelez-vous que la classe dernière, on a parlé des activités quotidiennes, les temps libres, etc. Okay. Donc, si vous notez dans la première image,
qu'est-ce que les personnes font? Vous avez quel est le verbe qu'on utilise pour mentionner cette action? On dit que... Madame? Mm-hmm. Qu'est-ce que font? Font. Font viene del verbo faire, que significa hacer. Mon Dieu, voilà. Faire. Je vais les écrire. Merci beaucoup. C'est la page 45. Donc, qu'est-ce que les personnes font? Faire qui signifie hacer. Ils font, podemos decir, ellos hacen, ils font du. Ils commencent avec J. Por ahí con una J comienza. ¿Se acuerdan cómo decir ese verbo? El sustantivo. Ils font du. Jar quoi? Comment on dit hacer jardinería? Oups, no sé. Ne vous inquiétez pas. Jardinage. Jardinage es jardinería. Trabajar en el jardín, por ejemplo. Ils font du jardinage, por ejemplo. ¿Cómo on dit pasearse? Elle se... Elle se promène. Exactement. Elle se promène. Très bien. On dit, il fait du rep. Il fait du rep. Qu'est-ce que promène? Qu'est-ce quoi, pardon? Ah, promène. Passer à. Merci. C'est rien. Il fait du. Madame, pourquoi estos tienen du? Ah, porque tiene la preposición de, pero su derivado. Acuérdense que du es del. Los vimos como artículos contractos. De la es de la. De es de los o de las. Y se utiliza también para cantidades. Cantidades no exactas, es decir, no contables, o para este tipo de sustantivos. Acuérdense que tenemos también de el apóstrofe, que no tiene significado en español. Fedu. Madame, ¿qué es que es el font? Font viene del verbo faire, que significa hacer. Es ellos o ellas hacen jardinería. Ajá, exactamente. Ils font du jardinage, ils se promène, il fait du, no se acuerdan cómo decir planchar. Madame. Ajá. Entonces, ¿estaría mal quitar el du en la A? Ah, oui. Sí, está mal. Sí, tiene que tener el du en ese caso. On dit repassage. Repassage es planchar. Planchar ropa. Il fait du repassage. Et qu'est-ce que le monsieur dans la lettre D fait? Il fait...
¿No se acuerdan cómo decir arreglos en la casa? Bricolage. Il fait du bricolage, par exemple. Voilà. Les marteaux, bon, oui, mais non. L'activité s'appelle bricolage. El bricolage son como todos los arreglos en casa, etc. Ahora, también pueden utilizar los verbos, por ejemplo, jardiner, se promener, repasser, bricoler, que son los verbos. Los de arriba son sustantivos, los de abajo son verbos. También se pueden utilizar. Par exemple, écouter de la musique. D'où tu questionnes avec le vocabulaire? On va passer ici. Entourer l'intruse. Qu'est-ce que l'intruse? Okay. Vous avez faire les courses, faire du sport, passer l'aspirateur, faire la lessive. Quelle est l'intruse ici? Madame, pardon, pour le pouvez regresser à la passada pour oui. Tomber la photo. Voilà. Quelle est l'intruse ici? Qu'est-ce que c'est faire les courses, par exemple? Comment faire les courses? Non. Faire les courses, así es como decimos hacer las compras. En el sentido de la despensa, por ejemplo. Faire les courses. Les courses son las compras de despensa. Vous avez faire du sport. Passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Vous savez qu'est-ce que c'est faire la lessive? À quel soin à faire la lessive? Ne vous inquiétez pas, on va voir. C'est pour ça le vocabulaire. Faire la lessive est laver les plats. Faire la... Ay. Pardon, la ropa sucia. La lessive. Voilà, faire la lessive. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est laver les plats. La lessive. La vaisselle sont les plats. La lessive est la ropa sucia. Par exemple. Se préparer. Ah, ici. Mais de la lettre A. Prenez la lettre A. Quelle est l'intrusse? Exactement. Faire du sport. Aquí el intruso es faire du sport. Très, très bien. Par exemple, écouter de la musique, regarder la télévision, faire la vaisselle ou faire une promenade, comme ici. Promenade. Faire une promenade. Quel est l'intruso ici? Écouter de la musique, regarder la télévision, faire la vaisselle ou faire une promenade. Faire la vaisselle. Exactement. Faire la vaisselle.
Très, très bien. Ici, dans la lettre 1, on parle des tâches ménagères. Que seront entonces les tâches ménagères? Si vemos faire les courses, passer l'aspirateur, faire la lessive, et ce sont les tâches ménagères. Qu'est-ce que c'est la ménagère? Les tâches ménagères. C'est comme le quehacer. Exactement. Et sont les tareas de quehacer, de mantener limpio, etc. El quehacer. Et dans ce côté-là, vous avez les loisirs ou les activités quotidiennes. Qu'est-ce que c'est les loisirs? ¿Se acuerdan que eran los loisirs? ¿Los pasatiempos? Los pasatiempos, como actividades cotidianas de relajación. Por eso es diferente. Faire du sport es un loisir. Faire de la vaisselle, c'est une tâche ménagère. Rappelez-vous que faire de la vaisselle es lavar los trastes. Voilà. Et vous avez se coiffer, s'occuper des enfants, aller sur Internet et se préparer. La réponse est, l'entrousse est, l'entrou. Quel est l'entrou? C'est quoi fait? S'occuper des enfants? Aller sur Internet, c'est préparer. Qu'est-ce que coiffer? Coiffer est peinarse. Entonces, creo que el intruso es s'occuper d'enfants. Aller sur Internet. Exactement. Aller sur Internet. Si vous notez, tous les autres verbes sont des verbes pronominaux. No es tanto la gramática, pero los verbos pronominales, pronominaux, los que vimos la clase pasada, exactement, aller sur Internet. Acuérdense que los verbos pronominales generalmente son verbos de rutina. Verbes de rutina. Son los más comunes. Se coiffer, s'occuper des enfants, se préparer. Aller sur Internet, ce n'est pas une routine. No es como tal una routine. No es tampoco un verbo pronominal. Okay. Donc, d'autres questions avec vocabulaire. Vamos a utilizar este vocabulario hoy. Non, pas de doute, pas de questions. On va passer aussi avec l'heure. Vamos a practicar la hora. Compléter les dialogues, demander et donner l'heure à l'aide des horloges. Exemple. Bonjour, madame. Vous avez l'heure. Pueden hacer la pregunta. Acuérdense que hay diferentes formas. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Et vous dites, ah oui, il est. Acuérdense que la hora empieza con il est. Si vous notez, 10h05. 10h05. Et voilà, allez, merci. Donc, si on commence, salut Lison, comment on peut demander l'heure? Comment preguntamos la hora? Comment on peut demander l'heure? Vous avez la hora? Excellente, vous pouvez dire. Vous avez l'heure, acuérdense del s'il vous plaît. Lo están pidiendo, por favor. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Et on commence avec oui. Comment on dit l'heure? Quelle heure est-il, dis-moi? Il est.
8 heures. Exactement. Il est 8 heures. Voilà. Excellente. Vous pouvez demander si vous avez l'heure, s'il vous plaît. Alors, à quelle heure tu te douches? Tu te douches. À quelle heure tu te douches? Quelle est la réponse? On peut dire à, quand on nous demande à quelle heure, à quelle heure, à quelle heure, podemos responder à, con la hora, por supuesto. À quoi? À quelle heure tu te douches? À 10 heures, par exemple. À 10 heures. Noten que nada más estamos utilizando il. Excusez-moi. À 10 heures. Voilà. Bonjour, madame. ¿Qué otra forma podemos preguntar la hora? Bonjour, madame. ¿No se acuerdan de la otra forma de preguntar la hora? En vez de decir, ¿vous avez l'heure?, podemos preguntar. ¿Has tú la O? ¿La O? Bueno, tenemos bonjour maman, mais sí, porque es la mamá. ¿As-tu l'heure, s'il te plaît? Hay que cambiarle a te porque, bueno, le estamos hablando de tú, ¿no? ¿As-tu l'heure, s'il te plaît? Y la mamá le dice, oui. ¿Qué lo est-il? Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est. Il le dice, j'ai rendez-vous, cita. J'ai rendez-vous à quelle heure? Quelle heure est-il? Notez-le. Il est... J'ai rendez-vous à... Vous avez à 4h15. Quelle autre forme pouvons-nous dire 4h15? Oui, il est 4h. Ici, nous estamos utilizando la préposition à. J'ai rendez-vous à 4h15 ou... À 4 heures, de quelle autre forme decimos? C'est le 15. Et quart. Exactement. 4 heures et quart. Très, très bien. Tu vas être en retard. Vas a llegar tarde, le dice. Acuérdense también que para preguntar la hora podemos decir: ¿Il est quelle heure? O ¿Quelle heure est-il? Il est quelle heure ou quelle heure est-il? Par exemple. Excellente. Très, très bien. Voilà. On va faire autre exercice de l'heure. Écoutez et dites
quelle heure il est sous chaque horloge? Horloge es el reloj, acuérdense. Pero de pared, solamente de pared. Alors, écoutez. Page 45. Vocabulaire. Dire l'heure. Activité 1. A. Il est midi. B. Il est 13h30. C. Il est 21h15. D. Il est minuit. E. Il est 11h moins le quart. Répétez. L'heure. 1. A. Il est midi. Quelle heure est-il? Il est midi. Il est midi. Excellent. Il est midi. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est midi? Mediodía. Mediodía. Excellent. Il est midi. B. Il est 13h30. Quelle heure est-il? B. Il est 13h30. Quelle heure est-il? Dijo 13. Uh-huh. Il est 13h. Exactement. 13h. Et comme on dit 30? Il est 13h. Quoi? Comme on dit 30? Voilà. 30. Et là, on a la masse pour elle. Il est 13h30. Las 13h30, la 1h30, exactement. B. Il est 13h30. C. Il est 21h15. Écoutez. C. Il est 21h15. Quelle heure est-il? Il est... Quoi? Je vais prendre... Vente quoi? Il est Non, vous ne savez pas. Voilà. Non, écoutez, écoutez. Écoutez. C'est... Il est 21h15. Mm-hmm. 20 quoi? 21. Exactement. 21. Il est 21, ojo con el un, porque se pone en femenino. Il est 21h15. Mm-hmm. 21h15. Il faut faire attention, son las 9h15. Mm-hmm. 21h15. Okay. On va écouter. Z. D. Il est minuit. Quelle heure est-il? Minuit. Il est minuit. Excellent. Il est
Minuit. Il est minuit. Et finalement. Il est 11h moins le quart. Il est 11h moins le quart. Quelle heure est-il? 11. 11 quoi? 11 perros, gatos, aviones, quoi? Eggs. Il est 11h. Yo entendí pal cuart. No. Como si, como ça, pero no. Mole. Exactamente. Moi le car. ¿Qué es que c'est moi le car? Cuarto. Para las 11. Cuarto para las 11. 10:45. Exactamente. Bueno. ¿Do tu cuestión avec l'heure? Pueden repasar las formas específicas de la hora. ¿Sí? Alors, on va passer ici à la maison. On va utiliser le vocabulaire des tâches ménagères ici. Écoutez les sons et trouvez sur les documents à quelles images correspondent. Okay? On va écouter. Voilà ici. Comme vous notez, vous avez les tâches ménagères. Ça prend combien de temps? Cuánto tiempo toma? Les tâches ménagères. Rappelez-vous que les tâches ménagères, c'est passer l'aspirateur, repasser, etc. etc. Okay? Alors, notez que vous avez des différentes tâches ménagères et vous avez les noms ici. Jardiner, faire la cuisine, faire les ménages, s'occuper des enfants, faire les courses, bricoler, s'occuper du linge. Linge, es como le llamamos a la ropa. Ça veut dire la lessive et le repassage. Cuando decimos s'occuper du linge, nos referimos a lavar, secar y planchar. Faire la vaisselle, los trastes. Okay. ¿Tú tu cuestión avec le vocabulaire ici? Bon, écoutez les sons et dis-moi à quelle tâche ménagère correspond. Page 78, document C. À la maison. Activité 1. Son A. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez aussi... Ah bon, vous ne l'avez pas ici. Qu'est-ce que c'est ça? No lo tenemos aquí, pero lo vimos de este lado. Ça, c'est... Passer l'aspirateur. Exactement, passer l'aspirateur. Très, très bien. On peut dire qu'on parle de faire les ménages. Je peux me dire qu'est-ce faire les ménages. Les ménages, c'est le que hacer là, c'est aspirer, sacudir, trapear, voilà, le ménage. Son B. Quel est le son? Il y avait aussi de cette côté-là. Ici. Quel est le son? Perdón, madame. Ajá. Es que no entiendo lo del do todavía. ¿Por qué en uno dice do y en otro el C? ¿En dónde?
en el que estaba en la diapositiva pasado. Ajá. ¿Esta? Dice ils font du y en la B dice LC. Ah, porque este es el verbo se promener, pasear, se. Este es un verbo pronominal. Este es por cómo decimos los loisir, a fuerzas para decir un loisir con el verbo faire. Para una actividad masculina es con du. Con una actividad femenina es con de la. Una actividad plural es con de. Gracias. Donc, quelles les sont? Rappelez-vous, les sont B. Angela, sont B. Quelle est l'activité? Vous l'avez ici. Ay, se oye bien raro. Pero tal vez es du repasage. Exactamente. Repasé, planchar. Uh-huh. Se le son, es el sonido de la plancha con la tela. Uh-huh. Yo sé, faire du repasage o repasé. Vale. Son C. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, ils sont des chariots. Qu'est-ce que c'est? ¿Lo puede poner otra vez? Oui. Por favor. Son C. Il y a beaucoup de personnes. S'occuper d'enfants? Non. Par exemple, quand vous allez à Walmart, tout ça. Comment on dit ça? Faire les quoi? Faire les courses. Faire les courses. Es el sonido de los carritos. Es hacer las compras. ¿Qué es que es esa? S'occuper d'enfants. Exactement. On va s'occuper des enfants. Excellent. Les suivantes. Qu'est-ce que c'est ça? Jardiner. Jardiner, exactement. C'est la tondeuse. Et c'est le... para cortar pasto, la máquina. Uh-huh. Oui. C'est jardiner. Son F. Ça, c'est... Bricoler. Bricoler, exactement. Hacer arreglos, bricoler. Ranger. Mm.
Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez au principe. Songez. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. S'occuper de linge? Non, ce n'est pas s'occuper de linge. Ah, bueno. Faire le vaisselle. Sí, agarro un plato, mais ce n'est pas la vaisselle, c'est faire la cuisine, exactement. Está metiendo un plato al horno de microondas. Exactement. Suena el tin del plato al ponerlo en el horno. ¿Qué, entonces, ¿qué es faire la cuisine? Faire la cuisine es cualquier cosa que tenga que ver con la cocina. Puede ser cocinar o puede ser cualquier cosa de la cocina. Y finalmente, on va voir. Voilà. Sans H. Qu'est-ce que c'est ça? Así. Ahora sí es fácil. Uh-huh. Ahora sí es faire la vaisselle. Uh-huh. Lavar los trastes. Exactamente. Ok, très, très bien. Alors, on va écouter un dialogue. Dans les dialogues, vous allez voir qui parle Olivia, Nathan et Paul, Fred et Annie. Ok. Vous pouvez l'écouter, mais aussi vous pouvez les lire. Okay. Donc, suivez les dialogues et vous devez me dire quelles sont les activités qui font chaque personne, que hace cada quien. Écoutez. Page 78, activité 2. Dialogue 1. Olivia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors, à la maison, qui fait quoi? Ah ben, chez nous, c'est simple. Je fais tout. Non, pas toujours. Ah oui, vous faites quoi, vous? Bon, ok, tu fais souvent la vaisselle, le ménage et les courses. Mais la lessive, c'est nous. Je ne vais pas laver votre linge en plus. Merci. Et vous, Annie et Fred? À la maison, on partage. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Moi, je finis le travail à 19h. Et Fred fait la cuisine toute la semaine. Il adore ça. On fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle, les lessives, c'est moi. Et le repassage? Bah, en fait, on ne repasse jamais. Hey, ça a commencé. Avec les premières trois personnes sont Olivia, Paul et Nathan. Ok. Olivia, Paul et Nathan vivaient ensemble. Qu'est-ce que c'est vivre ensemble? Exactement, vivre ensemble. Rappelez-vous, ça on l'appelle, ils sont des colocataires. Colocataires sont personas que rentan una casa, comparten la renta, pero no son familia o no son pareja, son como pues amigos o inclusive pueden llegar a ser extraños, ¿no? Pero rentan una casa o pagan la renta juntos. Eso es colocataire. Y son de colocataire. Olivia, Nathan y Paul. Alors, ¿qu'est-ce que Olivia fait? De tous les tâches ménagères, ¿qu'est-ce que Olivia fait?
Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Quelles sont les tâches ménagères que Olivia fait? Non, on ne sait pas. Voilà. Et il fait tout. El día, c'est simple, je fais tout. Todo lo hago yo. Mais spécifiquement, par exemple, quel type d'activité elle fait? Plus spécifiquement? Elle fait la pastille, le médecin, et les courses, exactement. À les courses. Elle fait la vaisselle. La lessive. Qui fait la lessive? Quién? Qui fait la lessive? Olivia, non? Non. Qui fait la lessive? Papa. Les deux, exactement. La lessive, c'est Paul et Nathan. Il dit, ah, c'est nous. Nosotros. Parce que Olivia dit, je ne vais pas laver votre linge en plus. Il dit, todavía les voy a lavar la ropa. Mais non. Par exemple. Okay. Donc, la lessive, c'est Paul et Nathan. La vaisselle, les ménages, les courses, c'est Olivia. L'autre interview, c'est entre Fred et Annie. Qu'est-ce que Fred fait? Quelles sont les activités que Fred fait? Souvent chercher les enfants à l'école. Exactement. Il va souvent chercher les enfants à l'école. Très bien. Quelle autre chose? La cuisine toute la semaine. Exactement. Il fait la cuisine toute la semaine. Ok. Très, très bien. Autre chose? Quelle autre chose? Quelle autre chose? Il cherche les enfants, il fait la cuisine. Quelle autre chose? Il fait les courses, il semble? Non. Les lessives, la lessive, et aussi quelle autre chose fait frais? La vaisselle, exactement. Il fait la vaisselle, ok. Qui fait les courses? Qui fait les courses? Exactement. Les deux, juntos. Il fait les courses ensemble tous les week-ends, Fred et Annie. Et les repassages? Est-ce qu'ils repassent? Ils font du repassage? Oui, ils font du repassage, planchan.
Oui ou non? Exactement, non. Il dit, elle dit, on n'irait pas jamais. Nunca. Mm-hmm. On n'irait pas jamais. No planchamos nunca, par exemple. Okay. Très, très bien. Alors, on va voir associer les noms des activités aux photos. Qu'est-ce que c'est la lettre A? Comment on appelle la lettre A? N'est-ce pas? Vous avez ici. Exactement. Ça, c'est lire. Voilà. Lire. On parle aussi de la lecture. C'est le substantif. La lecture ou lire, par exemple. Qu'est-ce que c'est la lettre B? Écoutez. Mm-hmm, exactement. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Mm-hmm. Très, très bien. Qu'est-ce que c'est la lettre C? Marcher, oui, mais on dit, en vez de marcher, decimos, marcher sí es caminar, pero pasearse decimos. Promener. Se promener, pasearse, uh-huh. Se promener, voilà. Qu'est-ce que c'est la lettre D? La lettre D s'appelle exactement faire du sport. Et qu'est-ce que c'est la lettre E? On dit que ça c'est la lettre E. Regardez la télévision. Uh-huh. Regardez la télévision. Ou la télé, on dit aussi. Regardez la télé, regardez la télévision. Ok, très, très bien. Uh-huh. Voilà. On va écouter les dialogues numéro 2. Page 78. Activité 3 et 4. Dialogue 2. Et comme loisir, qu'est-ce que vous faites? Moi, facile. Je lis ou j'écoute de la musique, dans le métro, dans la rue, chez moi. Bref, tout le temps, quoi. La lecture, c'est ma passion. Ça, c'est vrai. Paul a toujours un livre dans les mains. Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage 3 fois par semaine. Et j'aime regarder la télévision. Et Olivia, elle fait de la danse. Oui, c'est vrai. Merci. Annie, Fred? La semaine, les enfants font du sport. Mais le week-end, on adore se promener dans les parcs à pied ou à vélo. Okay. Je vais vous montrer. Les va poner este de aquí para que vean el diálogo. On va les mettre ici. Voilà. Okay. Rappelez-vous qu'on a vu les tâches ménagères, mais aussi les loisirs. Acuérdense que son cosas diferentes, les tâches ménagères et les loisirs. Okay. Par exemple, quels sont les loisirs de Paul?
Quels sont les loisirs de Paul? Dis-moi. La lecture, exactement. Mm-hmm. La lecture, c'est sa passion, mais aussi, quelle autre chose? Écouter la musique. Exactement. Écouter de la musique. Ok, très bien. Et quels sont les loisirs de Nathan? Le sport. Les sports, faire du sport et aussi... Par exemple, quel type de sport? Cours. Je cours. Qu'est-ce que c'est je cours? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est je cours? C'est les verbes, exactement. C'est les verbes courir. Courir, je cours. Je cours. Courir, de temps en temps, de vez en quando. Quelle autre activité sportive il fait? Nage? Exactement. La nage. Qu'est-ce que c'est nage? Je nage. Exactement. Vient du verbe nager. Quel autre loisir Nathan a? À part de courir, à part de nager, quel autre loisir? Quel autre loisir? Quel autre loisir? Voilà. Regardez la télé. Exactement. Aussi, regardez la télévision. Quel est le loisir d'Olivia? Quel est le loisir de Livia? Elle fait de la danse. Exactement. Elle fait de la danse. Ça veut dire danser. Très bien. Quels sont les loisirs de Annie et Fred? Quels sont les loisirs de Annie et Fred? On ne sait pas. Quels sont les loisirs de Annie et Fred? Promener dans le parc? Exactement. Tous les week-ends, ils se promènent dans les parcs. De quelle forme? De quelle forme?
À vélo, exactement. Qu'est-ce que c'est à vélo? Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est à vélo? En bici, exactement. Ou à pied. Mm-hmm. À pied ou à vélo. Mm-hmm. Exactement. Et aussi, les enfants font du sport. Et on a des doutes ou des questions avec vocabulaire? Okay. Très, très bien. Alors, on va passer avec les fréquences. Okay. Notez qu'on utilise des mots, par exemple, Fred va souvent chercher les enfants. On fait les courses ensemble tous les week-ends. On ne repasse jamais. Polly, tout le temps. Il a toujours un livre dans les mains. Je cours de temps en temps. Ces expressions indiquent la fréquence d'une action. En général, il se place après. Après les verbes. Après les verbes. Remarque, on n'utilise jamais seulement à la forme négative. Jamais negativo. Por lo tanto, se tiene que utilizar con el ne. Ok. Placer jamais est toujours sur la flèche. Ici, on ne met jamais ou toujours. Qu'est-ce que vous dites? On ne met jamais ou toujours. Ici, quel de los dos va? Jamais ou toujours? Qu'est-ce que vous dites? Jamais. Toujours. Vean los demás como están puestos. De temps en temps. Souvent, tous les week-ends, tout le temps. Parce que la même chose ici. On va mettre jamais ou toujours. Quel est le correct? Jamais. Ici, exactement. On ne met jamais. Et ici, on met toujours. Mm-hmm. Alors, jamais, voilà, toujours de l'autre côté. Okay. Vous avez jamais, qu'est-ce que c'est jamais? Jamás. Jamás. Vous avez de temps en temps, qu'est-ce que c'est de temps en temps? À veces. Uh-huh. A veces, de vez en cuando. De vez en cuando. Excelente. De vez en cuando. Souvent. Qu'est-ce que c'est souvent? Ce n'est pas madame. Souvent signifie seguido. Es como decir regularmente. Seguido. Tous les week-ends, par exemple. Tous les week-ends. Qu'est-ce que c'est tous les week-ends? Qu'est-ce que c'est tous les week-ends? Como todos los fines de semana. Exactement. Tout. Mm-hmm. Tout, par exemple, pueden decir tous les jours. Mm-hmm. Par exemple, toutes les semaines. Todas las semanas, par exemple. Mm-hmm. Tous les mois. Todos los meses. Cuidado porque semanas es femenino. Por eso ponemos tout. Jour es masculino. Por eso ponemos tout. Lo mismo con mes. Mm-hmm. Week-end aussi, masculin. C'est pour ça qu'on utilise tout. Tous les week-ends. Et qu'est-ce que c'est
tout le temps. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, exactement. Es que c'est toujours. Siempre. Siempre, exactement. Ok. Donc, comme vous notez, vous pouvez utiliser ce d'ici. On va prendre la fin. Voilà. Et rappelez-vous que les expressions, des fréquences, on les place après, después, après les verbes, par exemple. Si vous notez ici, remettez les éléments des phrases suivantes dans l'ordre. Par exemple, la lettre A, on va commencer avec un sujet. Quel est le sujet? Quel est le sujet ici? C'est pas le sujet? Quel est le sujet? Non, nous savons quel est notre sujet aquí. Quel est le verbe? Le verbe est. Quel est le verbe? Quel est le verbe? Des. Le verbe. Tout quoi? Non. Le verbe est autre. Voilà. Déjeune. Exactement. Et le verbe est déjeuner. Tu déjeunes. Tu déjeunes quoi? Acuérdense que dijimos que vamos a poner el adverbio frecuencia donde... De temps en temps, después del verbo, exactamente. De temps en temps, quoi? Avec? Tu déjeunes de temps en temps avec, avec qui? Nos falta algo por ahí. Avec tes clients. Tous clients. Tu déjeunes de temps en temps. Notez que vous utilisez le sujet. Vous utilisez le verbe. Et voilà. Vous utilisez le verbe de fréquence. Par exemple. Ah. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que c'est déjeuner? Desayunar. C'est le verbe déjeuner. Desayunar. Merci. De rien. Quelle est la lettre B? Le sujet, le verbe, l'adverbe. Quel est le sujet? Elle, exactement. Elle quoi? Vessey? Non. El font, el verbo es el font, viene, acuérdense, de faire, que significa hacer. El font quoi? El font...
Non. La vaisselle, ojo. Aquí, como tal, el verbo incluye la vaisselle. Porque todo completo es faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Lavar los trastos. Es completito ese. El font la vaisselle, quoi. Tous les soirs. Exactement. Tous les soirs. Todas las tardes. El font la vaisselle. Tous les soirs. Este es el adverbio de frecuencia. Tous les soirs. Font la vaisselle va a ser completito siempre. No lo vamos a separar. La letra C. ¿Quel es el sujet? Il. Il. On dit il. Il quoi? Arrive. Oui, pero aguas con el arrive. Necesita algo. Ajá, ojo. Il n'arrive jamais. Dijimos que jamais es nunca. Y como nos dice nuestra regla, jamais se tiene que utilizar con la forma negativa. ¿Cómo hago la negación? Il. ¿Cómo hacemos la negación aquí? Il ne, exactamente. Tenemos que poner il ne arrive jamais. Jamais no puede ir sin tener el ne. A fuerza, siempre tiene que tener el ne porque es negativo. Il n'arrive jamais quoi? Vous l'avez ici. Il ne arrive jamais. Tenemos eso ahí. Il n'arrive jamais quoi? Qu'est-ce que c'est travel? Travail es trabajo. Antes de au travail, al trabajo, pero antes de au travail, ¿qué vamos a poner? A l'heure, exactement. Il n'arrive jamais à l'heure au travail. Nunca llega a tiempo, eso significa a l'heure, au travail, al trabajo. Siempre que utilicen jamais, tienen que ponerlo con negación. Ne, verbo, jamais. Il n'arrive jamais à l'heure au travail. Et la lettre D, quel est le verbe, quel est le sujet, quel est le verbe? Il. Il, exactement. Il quoi? Il prend, il prend, et après, il prend, il prend. Aguas, dijimos que ¿qué ponemos después de un verbo? En este caso. Toujours. Ah. Il prend toujours. Ahora sí,
qu'est-ce qu'il prend toujours? Comment terminamos la frase? Il prend toujours. Il prend toujours. No, no necesita. ¿Cómo vamos a acomodar lo que nos falta? Un douche. Un douche. Un douche quoi? Au réveil. Exactement. Qu'est-ce que c'est au réveil? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est au réveil? Al despertarse. Il prend toujours une douche. Toma siempre una ducha. Au réveil. Al despertarse. Uh-huh. D'autres questions ici? On va passer ici. Quelles activités est-ce que Lucy fait? Écoutez, écoutez. Les activités de Lucy sont écouter de la musique, lire, regarder la télé, faire le ménage, faire du sport et jardiner. Vous devez me dire si c'est jamais, de temps en temps, souvent ou toujours. Écoutez bien. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 44. Grammaire. La fréquence. Activité 3. Salut, moi c'est Benoît. Bonjour Benoît, je m'appelle Lucie. Quelles sont tes activités, Lucie? Alors, j'écoute toujours de la musique, du jazz. De temps en temps, je lis des romans, je ne regarde jamais la télé, et puis, ben, de temps en temps, je fais le ménage. Et tu fais du sport? Oui, je vais souvent à la piscine. Et tu jardines? Non, jamais. Je n'ai pas de jardin, j'habite dans un appartement. On répète. À fréquence. Moi, c'est Benoît. Bonjour, Benoît. Je m'appelle Lucie. Quelles sont tes activités, Lucie? Alors, j'écoute toujours de la musique. Écoutez de la musique. Quelle est la fréquence? Toujours. Excellente. Elle dit, j'écoute toujours de la musique. Belle Lucie. Alors, j'écoute toujours de la musique, du jazz. De temps en temps, je lis. Et lire. Excellente. De temps en temps. Très, très bien. Lire, c'est de temps en temps. Voilà. On continue. Des romans. Je ne regarde jamais la télé. Regardez la télé. Excellente. Je ne regarde jamais la télé, elle dit. Excellente. De temps en temps, je ne regarde jamais la télé. Et puis, ben, de temps en temps, je fais le ménage. Et les ménages? Exactement. De temps en temps. De temps en temps. Je fais le ménage. Et tu fais du sport?
Oui, je vais souvent à la piscine. Et? Et le sport? Exactement, très bien. Et quel type de sport? Elle a mentionné un sport. Quel est le sport? Elle dit, je vais souvent à la... À la quoi? Écoutez. Je fais le ménage. Et tu fais du sport? Oui, je vais souvent à la piscine. Exactement. À la piscine. Ça, c'est le sport qu'elle fait. Elle nage. Nada. Excellente. Piscine. Et tu jardines? Non, jamais. Je n'ai pas de jardin. J'habite dans un appartement. Exactement. Pourquoi est-ce qu'elle ne jardine jamais? Pourquoi elle ne jardine jamais? Parce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle ne jardine jamais? Exactement. Parce qu'elle habite dans son appartement. Très, très bien. Elle n'a pas de jardin. Elle habite dans son appartement. Très bien. Alors, on va passer ici. Répondez aux questions. Utilisez jamais de temps en temps, souvent et toujours. Par exemple, tu fais du sport? On a oui. Par exemple, je fais du sport de temps en temps. Par exemple, si la question c'est « Vous regardez la télévision ?» On dit « Oui, je quoi ?» Je... Si c'est positif, bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Tienen como varias opciones en el caso del positivo. Por ejemplo, « Je quoi ?» Regarde, je regarde quoi? La télévision. Exactement, je regarde la télévision. Quoi? Utilisez un adverbe de fréquence. Souvent. Ok, pourquoi pas. Souvent. Excellent. Je regarde la télévision souvent. Ou je regarde souvent la télévision. Este sí lo podemos separar. Je regarde souvent la télévision. Porque pueden ver la tele, pueden ver un DVD, un film, etc., etc. Je regarde souvent la télévision. Mais si vous avez, elle passe l'aspirateur. Si vous avez non... Comment on va faire la phrase? Non. Quel est le sujet? Elle n'est. Elle n'est, exactement. Elle n'est. Pasan pas. Me pas, pero no sería pas, más bien sería. Jamais. Jamais. Elle ne passe jamais. Et le reste de la phrase. L'aspirateur. Nunca pasa l'aspirateur. Et nunca pasan, porque c'est ellas. Elle ne passe jamais l'aspirateur. Par exemple, Max va au cinéma. Oui, comment on va dire? Oui.
Il va, excellent. Il va, utilise un adverbe. Il va quoi? Ok, on peut dire par exemple, il va de temps en temps, tous les week-ends, pourquoi pas, par exemple, tous les week-ends. Au cinéma, exactement. Au cinéma, oui, pourquoi pas, excellent. Vous faites les ménages? On dit oui. Comment on va répondre? Vous faites les ménages? Oui. Fait? Non, non sería vous. Acuérdense que si preguntan, vous faites le ménage. Je fais. Exactement. Je fais. Je fais. Je fais quoi? Toujours? Pourquoi pas? Je fais toujours le ménage, par exemple. Et notez les suivants. Tu cuisines? Et la réponse est non. Tu cuisines? Non. Je. Je. Exactement. Je ne cuisine. Je ne cuisine quoi? Jamais. Exactement. Je ne cuisine jamais. Voilà, comme ça. Je ne cuisine jamais. Excellent. Très, très bien. Toute question avec la fréquence. ¿Cómo es? Jamais, ya no se pone pas. Jamais, no. En vez de pas, es decir, en vez de tener ne, verbe pas, voy a cambiar el pas por ne, verbe jamais. Es solo otra forma de negación. Pero no podemos poner nunca. Si pongo jamais, no pongo pas. Si pongo pas, no pongo jamais. Son excluyentes uno del otro. ¿Otra duda, otra cuestión? Non. Okay. Très, très bien. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a les tâches ménagères, bricoler ou le bricolage. Este es el verbo, este es el sustantivo. Acuérdense que sustantivo en français se dice non. Bricoler, le bricolage. Faire les courses, que c'est le verbe faire. Aquí tenemos la conjugación del verbo faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Faire la cuisine ou cuisiner, faire la lessive, faire les ménages, faire la vaisselle, jardiner, ça c'est le verbe, les jardinages, c'est le nom. Laver les langes, la ropa sucia, acuérdense. S'occuper du linge, c'est comme essayer de laver, sécher. Passer l'aspirateur, repasser, ça c'est le verbe, le repassage, ça c'est le nom. Pour les temps libres, on peut dire aller sur Internet, ya sea que utilicen el verbo aller, qui signifie ir, aller sur Internet ou surfer,
signifie navegar en este caso. Puede ser surfear también, pero lo utilizamos como navegar por internet. Aller sur internet, surfer sur internet. Se détendre. Vous savez qu'est-ce que c'est se détendre? Qu'est-ce que c'est se détendre? On ne sait pas. Se détendre signifie relajarse. Es como detenerse en el sentido de dejar de hacer algo, relajarse. Exactement. Vous avez par exemple écouté de la musique, faire de la musique aussi, faire de la musique, faire du sport, lire, ça c'est les verbes. La lecture, ça c'est le nom. Se promener es un verbo pronominal, como los que vimos la clase pasada. Faire une promenade, regarder la télévision, par exemple. Les loisirs préférés des Français, c'est l'ordinateur, l'internet. 60% c'est la télévision, 49% voir des amis. 41% sont les loisirs culturels, les musées, les expositions, les galeries. La musique, 38%, et les 30% c'est les sports. Est-ce qu'il y en a des doutes ou des questions avec les vocabulaires ici? Non? Pas des doutes? Madame, un peu de ruido, pero... ¿Tienes que ser vacío como pasatiempos? Ah, pasatiempos o hobbies. Sí, nada. De rien. ¿Otra duda, otra cuestión? Bon. Y on va finir avec un petit peu de prononciation. Avec les sons I et U. Ok. Écoutez les sons. Et observez des mots. Ya hemos visto estos sonidos antes, nada más es practicarlos. Écoutez. Page 80, phonétique, les sons I, U. Exercice 1A. A, 10. B, mur. Si vous notez, acuérdense, cuando vimos los diptongos, hablábamos que la Y en francés, cuando hablamos de fonética, nos está dando un sonido de una U, pero con un tono como de I, es ese U, ¿okay? No es una U normal, es U. Esa es el son de I, este sí es una I, ¿okay? Por ejemplo, écoutez le son, escuchen esto de acá. Page 80, exercice 1B. Et C. A. Rémi aime la musique. Si vous notez, on répète. A. Rémi aime la musique. Vous avez Rémi aime la musique. Notez les I de Rémi et la mu de U, no decimos musique, c'est musique, avec les U. Acuérdense que es una U con un tono de I. Okay? Sí, es importante hacer bien esa pronunciación. Musique. Par exemple, écoutez. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu es ici? Voilà. Comme ça. B. Il est 6h30. Il est 6h30. Je pars du bureau. Il est 6h30. Je pars du bureau. C'est quoi un qu'est le bureau?
Non. Bureau es la oficina. No decimos bureau, c'est bureau. Six et demi. Noten la i. Écoutez. Je pars du bureau. C. La lecture est une activité intéressante. C. La lecture est une activité intéressante. Quelle est la phrase? Quelle est la phrase? Quelle est la phrase? Non, on n'était pas. La lecture. Oh, oui, on répète. C. La lecture est une activité intéressante. La lecture quoi? C'est une activité intéressante. Exactement. Est une activité intéressante. Lecture, une activité intéressante. D. Activité intéressante. D. Le matin, je jardine. E. D. Le matin, je jardine. Qu'est-ce qu'il dit? Le quoi? Le matin, je jardine. Je jardine, exactement. Es decir, estoy en el jardín. Le matin, je jardine. La I. Je jardine. E. Le soir, nous nous occupons des enfants. Le soir, nous nous occupons des enfants. Quelle est la phrase? Le soir. Bon des enfants. Nous nous occupons des enfants. Nous nous occupons des enfants. Le soir. Nous occupons. Cuidado con los verbos pronominales. Nous nous occupons des enfants. Notez que vous utilisez occupons des enfants. Nous nous occupons des enfants. Voilà. Ici. Alors, par exemple, vous avez ici, écoutez et dites si vous entendez I ou U. Parece esa U con tono de I es diferente. Écoutez ici. Page 49. Phonétique. Les sons I, U. Activité 1. A. Tu t'occupes. On répète. A. Tu t'occupes. Quel est le son? I ou U? Quelle est la leçon? 1. A. Tu t'occupes. Et 1. A. Tu t'occupes. Ça, c'est la leçon. I ou U? Exactement. U. Et que tiene como Y, pero es U. Tu t'occupes.
Tanto el tú como el occupe, voilà, tu t'occupes. Tu t'occupes. B. Midi et demi. B. Midi et demi. Quel est le son? I. Lequel? Voilà. I, exactement. Midi et demi. Vous avez le son I. Normal. Midi et demi. Midi et demi. C'est une rue. C'est une rue. Quel est le son? I. Lequel? I. Non. U. U. No es lo mismo I que U. Une rue. Voilà. Une rue. Ici et ici. Une rue. On répète. On passe. C. Une rue. D. Bien sûr. Quel est le son? Rue. D. Bien sûr. C'est I ou U? Exactement. Bien sûr. Bien sûr. Qui signifie por supuesto. Bien sûr. Qui est-ce le U? Bien sûr. Voilà. F. E. La vie en ville. E. La vie en ville. Quel est le son? I, exactement. La vie en ville. En la ciudad. La vie en ville. Voilà. La vie en ville. Finalement. F. Vite, il arrive. Vite, il arrive. Quel est le son? Exactement. Vite. Rápido le dice. Il arrive. Que él llega. No, rápido él llega. Vite. Il arrive. La vie en ville. Vite, il arrive. Midi et demi, par exemple. D'autres questions avec les sons I ou U? Ok. Voilà. Donc, la semaine prochaine, rappelez-vous que sont les vacances. Acuérdense que son vacaciones la siguiente semana. Regresamos y nuestro examen va a ser el día 25. Es decir, regresando tenemos una semana. Vamos a terminar los temas de esta unidad en esa semana y dejamos todo preparado para el 25. ¿Okay? El 25 es lunes, no me lo recuerdo. ¿Okay? Y recuerden que la retroalimentación tiene que ser luego, luego el jueves, porque de hecho es el último día. Si me da tiempo, les voy dando retro conforme vayan terminando. ¿Okay? Les mando sus, su evaluación continua para que vayamos teniendo. O si no, lo vemos una clase antes, dependiendo de cómo vayamos en los temas. Solo nos falta un tema por ver. Pero recuerden, esa semana que regresamos, vemos el tema y espero poder realizar la evaluación continua el jueves 21 para ya nada más dar calificaciones el lunes y terminar. ¿Dudas o preguntas? Bueno, más bien hacer el examen el lunes y dar calificaciones. ¿Dudas o preguntas?
Donc, vous n'avez pas de devoirs aujourd'hui. No tarea el día de hoy. Reposez et bon vacances. Descansez mucho y bonitas vacaciones. À lundi 18. Nous allons le lundi 18. Merci. Vous pouvez partir. El examen es el 25. 25 de... estamos abril. Uh-huh. 25. Merci. Voilà. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances, madame. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.